Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Là, je suis à Qumran. Derrière moi, là-bas, c'est la même motte. Tout à l'heure, nous serons en Israël, plutôt à la même motte pour se baigner. J'entends quelques petits comédiens de TikTok, des panels de merde comme celui d'influenceur où la malédiction ambulante est en train de se propager. Que certaines personnes disent oui, Makoso, parce que tu comptes le phénomène des Wubi en Côte d'Ivoire. Oui, il paraît qu'il y a des Wubi en France, en Europe, qui ont décidé de porter plainte contre toi. Moi aussi, je porte plainte contre eux en Côte d'Ivoire. Pour Wubia. Non, Makoso, si tu continues de parler, on va t'interdire d'aller en Europe. Vous croyez que l'Europe, là, c'est le paradis? Ou bien vous croyez que moi, je vais en Europe parce que vous me cherchez? C'est parce que je suis millionnaire que je prends mon billet et je vais en Europe donner mon argent aux Européens, puis je rentre chez moi. Payer des choses. Quand j'organise une convention en Europe, je paye la salle avec mon argent. Donc, il faudrait que cette forme de chantage, de pacotille, d'enfant maudit au comportement anustral, et je pourrais le dire, les létales, ou les fassés sur certains. Moi, il n'y a personne qui peut faire des moyens de pression sur moi. Hein. Voilà, il faut que ça se dise, soit d'une façon claire et nette. Voilà. Il y a un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Beaucoup de jeunes ont commencé à devenir des whoopies, pas parce que c'est leur orientation sexuelle, parce qu'ils sont misérables et pauvres. Et voyant des whoopies qui roulent dans des voitures, comme ce petit Amistral, comme il s'appelle, lui qui vend produit des femmes là, l'enfoiré là, merde, écrivez son nom dans les commentaires. Ils se disent que oui, donc ils cherchent de la facilité. Ils deviennent whoopies, pas parce qu'ils sont de cette orientation sexuelle, c'est la pauvreté, la misère, le fainéantisme qui les amène comme des bouclés à se comporter et à rentrer dans ce phénomène-là. Nous, nous disons non à la propagande de cet homme, je peux le dire, de cet homme, de ce déshonneur pour nos, je peux le dire, pour nos valeurs culturelles dans notre pays. Chaque continent a ses règles, chaque continent a son éducation, chaque continent a sa culture. La France, ni l'Allemagne, ni la Belgique ne peut aller imposer à la Russie d'accepter le mariage pour tous. Le président de la Russie va gifler le président d'un pays européen qui viendra lui présenter ou l'imposer cela. Aucun président européen, même américain, ne peut arriver en Chine et demander à la Chine d'accepter et de reconnaître le mariage pour tous. Ils vont les gifler normalement. Ils ne peuvent pas l'imposer à l'Arabie Saoudite. Ils ne peuvent pas l'imposer au Qatar. Pourquoi c'est nous? On va vouloir nous imposer ce que nos valeurs ancestrales refusent. Si vous, vous voulez accepter cela et vous voulez qu'on accepte votre, je peux le dire, votre abomination culturelle, donc acceptez aussi que ceux qui sont des polygames se marient en France et que chaque personne puisse avoir deux femmes. En Belgique, deux femmes. Ah non, quand c'est vous, oh non, ça c'est un manque de respect, ce n'est pas dans nos valeurs, nous sommes des Européens, nous sommes des Africains. Et le Wubia et le comportement anustral ne se propagent pas dans notre pays. Et si c'est pour cela que des bâtards disent qu'ils vont aller porter plainte, je vous demande pardon. Multipliez la plainte par 5, accompagné de vos mères qu'on compte mettre encore dessus. Que Dieu vous maudisse.